Donc après ces différentes phases de déroulement de ce qui est finalement un seul processus révolutionnaire avec différents moments, on entre dans une période de relative stabilisation des forces en fait, quoi. Le mouvement populaire est encore puissant, il y a des manifestations, il y a surtout une foule de grèves importantes, des grèves petites, grandes, dans des grands secteurs, dans des petits secteurs, mais des grèves exemplaires. J'en prends une très significative, parce qu'elle démontre un certain nombre de choses, c'est celle de Tunisie Télécom. Donc, Tunisie Télécom, c'est à peu près, c'est l'opérateur historique téléphonique en Tunisie, qui était une entreprise publique, partiellement privatisée par Ben Ali à 35% en gros. Et les travailleurs de Tunisie Télécom ont découvert, en fouillant, en faisant la pratique du contrôle ouvrier, en regardant dans les livres de compte, que 63 personnes avaient été engagées comme contractuelles, de très haut niveau. Certaines avaient été débauchées dans d'autres entreprises et relativement imposées par le partenaire privé qui est venu à la privatisation partielle de Tunisie Télécom, mais d'autres étaient des anciens statutaires de la maison qui, étant donné les conditions extrêmement favorables de ces contrats, de ces contractuels, de ces tâches contractuelles, ont préféré passer du statut de public au statut de contractuel. Pourquoi? Parce que les salaires mirobolants, on a cité le chiffre que la masse salariale de ces 63 personnes représentait quelque chose comme le tiers de la masse salariale des 8 000 travailleurs de Tunisie Télécom. Et il est évident que, je dis qu'on ne paie pas des gens à ce prix-là pour rien. Sans doute certains ont-ils des grandes compétences techniques. Ce que les travailleurs de Tunisie Télécom ont constaté aussi, c'est que les types, ils venaient aussi, ils faisaient appel à des tonnes de consultants privés, etc. Donc il y avait vraiment, un peu comme dans l'État Ben Ali, tout le monde était venu s'intercaler et voulait sa part du gâteau. Et la téléphonie, en particulier la téléphonie mobile et les licences pour gérer des nouveaux réseaux Internet, la 3G, la 4G, etc. Terme très technique peut-être, mais donc qu'on connaît à peu près dans tous les pays. La problématique des télécoms, c'est un secteur hyper capitalistique dans lequel il y a une concurrence importante et dans lequel les groupes européens, en particulier France Télécom, mais d'autres, sont en train d'essayer de capter la moindre part de marché, et en particulier cet immense marché qu'est le Maghreb. Et on considère qu'effectivement la bonne porte d'entrée étant la Tunisie, d'abord parce qu'ils ont une main-d'œuvre bien formée, je veux dire, de haut niveau, pour France Télécom en plus une main-d'œuvre qui parle français. Donc je parlais déjà des centres de téléopérateurs, etc. C'est intéressant pour France Télécom d'avoir une main-d'œuvre pas chère, bien formée et qui parle français. Mais d'autres firmes sont là derrière, c'est vraiment un nœud important. Et donc dans cette entreprise, les gens se sont mis en grève, ont fait des sit-ins pratiquement du 10 février jusqu'au le 10 juin, donc pendant 4 mois. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils avaient obtenu le 9 février un protocole d'accord dans lequel on mettait fin aux 63 contrats. Parce que les gens, je veux dire, avec la révolution, je veux dire, dans la plupart des mouvements de grève, et là en particulier à Tunisie Télécom, se sont rendus compte que le pouvoir avait des ramifications dans toutes les entreprises. Que pour capter une partie des bénéfices, pour se payer d'une certaine manière sur le dos de l'exploitation des gens, dans toutes les entreprises, il y avait des RCDistes qui recrutaient les gens, qui faisaient la police d'une certaine manière dans les entreprises, qui réprimaient ou qui faisaient des listes de gens qu'il fallait licencier, y compris dans les écoles, par exemple. J'ai des témoignages par rapport à ça. Et en particulier, parmi ces 63, une partie d'entre eux avait une tâche assez pointue qui consistait à monter les systèmes d'écoute et
d'espionnage des mails de la clientèle, et en particulier évidemment des couches militantes, des avocats, des militants des droits de l'homme, etc. Et donc, pendant 4 mois, ils ont dû mener alors qu'on avait, que la révolution était faite, alors que le RCD, on avait décidé de le dissoudre, qu'il y avait un jugement par rapport à ça, alors que certains ministres avaient été arrêtés et emprisonnés, etc. Donc clairement, alors que le gouvernement provisoire reconnaissait, avait dû reconnaître qu'il fallait mettre fin au pouvoir du RCD, dans les entreprises, ben, à chaque fois, on avait un pouvoir qui s'accrochait aux anciens du RCD, aux anciens valets, aux anciens collaborateurs du pouvoir de Ben Ali. Et donc cette grève finalement s'est soldée par une victoire début juin, où le protocole d'accord de février a finalement été... C'est une grève relativement symbolique, parce que d'abord c'est une très très grosse boîte, et pendant des mois, dans un marché extrêmement concurrent, parce qu'il y a d'autres opérateurs maintenant sur place, les gens ont défendu 2 ou 3 grands principes. D'abord, stop au RCD, stop aux anciens amis de Ben Ali, on veut garder cette entreprise publique, et ils demandent d'ailleurs à ce qu'on arrête la privatisation de Tunisie Télécom, ils veulent garder des emplois et des conditions de travail correctes. Il n'y a pas eu de revendication particulière par rapport au salaire. Alors que, néanmoins, les salaires ne sont pas très élevés chez Tunisie Télécom. Et ça, c'est aussi ce qui a marqué cette flopée de grèves dans cette période qui continue à exister aujourd'hui. Il y avait toujours 3 grandes revendications. La première, de l'emploi. Par exemple, sur le plateau de Gafsa, dans les mines de phosphate, les jeunes qui ont occupé les routes, les entrées d'usines, etc., ont obtenu du gouvernement qu'on embauche 3000 personnes. Malheureusement, l'entreprise dit non, nous on ne peut pas engager 3000 personnes, on n'a pas besoin de 3000 personnes, etc. Donc des luttes pour l'emploi importantes, des luttes pour chasser les anciens dirigeants liés à la dictature et des luttes pour les conditions de travail, qui passent aussi par des conditions de salaire. Puisque je l'ai dit, les salaires sont particulièrement bas. Et donc, on est dans cette période-là, dans laquelle, en plus, le gouvernement a lâché la notion d'élection, des premières élections libres, d'abord fixées au mois de juillet, mais qui finalement ont été reportées au 23 octobre. Et cette période où il y a beaucoup de mouvements qui se passent, mais de manière très, très atomisée, donc chacun dans son coin d'une certaine manière, et où toute la classe politique, y compris la gauche, y compris l'extrême gauche, qui s'est reconstituée, parce que, je dis, certaines organisations avaient été laminées par la répression, la résistance était forte dans les syndicats et dans les organisations de défense des droits de l'homme, mais les organisations étaient petites, clandestines, donc avaient beaucoup de mal mais donc elles sont fortement présentes dans le mouvement social, mais même eux sont gagnés un peu par cette fièvre électorale. Tout le monde se dit, c'est les premières élections libres, il faut absolument faire un résultat important. Et je dis, y compris la bourgeoisie tunisienne, qui était un peu malmenée par la, d'une certaine manière, même si elle était derrière la dictature, ben elle était malmenée à la fin de la dictature, parce que finalement, Ben Ali prenait trop dans la caisse et ça n'intéressait pas les patrons, ils voulaient garder le maximum de bénéfices. Et en même temps, ils ont été malmenés par la révolution, parce que tous ceux qui ont collaboré, il y a eu des mouvements contre eux, quelque part, c'est pas une révolution comme ça, joyeuse, simplement on se contente du départ de Ben Ali. Et les gens ont compris que s'ils étaient capables de se débarrasser de Ben Ali, ils étaient peut-être aussi capables de se débarrasser de leurs exploiteurs. C'est ça une révolution. C'est ça le processus de révolution permanente. Les gens se rendent compte en menant une tâche démocratique que finalement leur mouvement, leur force, leur donne la possibilité de faire plus, peut-être de changer la société. C'est ça le mystère de la révolution permanente, c'est là qu'il est. Et donc par rapport à toute cette problématique, on est maintenant un peu entre deux chaises, entre deux feux. Que donneront les élections, on ne sait pas. La bourgeoisie n'a pas de parti, son RCD a été dissous. Il renaît de ses cendres, il y a 10 partis au moins qui ont été dans les
plusieurs dizaines qui ont été reconnus, qui ont demandé leur reconnaissance, il y en a au moins une dizaine qui sont des anciens du RCD. Donc voilà, tout le monde est en train d'essayer de regrouper ses forces. Il y a une situation où finalement des deux côtés de la balance, ben, on est en train de se réorganiser, du côté de la révolution et du côté de la contre-révolution. Voilà où on est aujourd'hui, 6 mois après. Peut-être que ça va déboucher sur une stabilisation à long terme, comme ça. Peut-être que en tout cas, l'Europe fait beaucoup d'efforts pour garder ce 28e pays qui est son pied à terre dans le nord de l'Afrique. Pourquoi ? Et donc ça, c'est aussi une des choses qui a pesé lourd. C'est cette fameuse guerre et cette révolte qui a été matée par Kadhafi, qui a donné lieu à une intervention de l'OTAN et qui a donné lieu aussi à des centaines de milliers de réfugiés en Tunisie. Moi, j'ai vécu particulièrement pendant quelques mois dans le sud de la Tunisie, pas loin de Ben Gardène et de Ras Jadir, qui est le point de passage entre la Libye et la Tunisie. C'est des flopées de gens, pas seulement des Libyens, avant ça des Égyptiens, des Tunisiens qui sont revenus. Beaucoup de gens qui travaillaient en Libye étaient originaires, donc les Tunisiens qui travaillaient en Libye étaient originaires des régions les plus pauvres, celles qui ont conduit à la révolution, mais sont venus avec leur misère supplémentaire s'ajouter à la précarité. Il a fallu, par exemple, dans une région comme Sidi Bouzid, je pense qu'il y a pratiquement 10 000 Tunisiens qui sont revenus de Libye. Il faut les loger, il faut leur trouver du boulot, il faut leur trouver des moyens de subsister. Ils sont venus s'intercaler s'agglutiner sur des situations de misère déjà existantes. Et donc voilà, tous ces problèmes sont pendants. Toutes les raisons pour lesquelles les gens se sont révoltés contre la dictature et contre le système qui employait la dictature pour se maintenir, toutes les raisons objectives sont toujours là. Je veux dire, les gens qui travaillent dans le secteur du tourisme gagnent toujours 300 dinars, 150 euros s'ils ont un boulot, parce qu'on en a licencié pas mal. Les jeunes diplômés ont toujours autant de mal à trouver un boulot. On a créé les prémices d'une petite sécurité sociale qui permet de payer des allocations de 200 dinars ou des choses comme ça, mais c'est vraiment tout à fait insignifiant et insuffisant. Et donc toutes les raisons objectives de continuer et de gagner cette révolution existent. Il reste un mouvement populaire important. Et il reste, face à ce mouvement populaire, des tonnes d'incertitudes et une réorganisation sur d'autres bases de la classe qui était au pouvoir. Donc voilà où en est la révolution tunisienne aujourd'hui. Elle a semé des graines partout dans la région, largement d'ailleurs, puisque je dis jusqu'en Chine et au Burkina Faso, on estime que la révolution tunisienne a eu un impact dans des mouvements populaires. Dans tous les mouvements, dans tous les pays envoisinants, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, même si certaines choses, même si la répression a joué ou l'intégration a joué à certains endroits pour essayer d'empêcher l'extension de la révolution, mais des dictateurs sont tombés. Les rapports économiques entre ces pays et l'Europe sont clairement mis en évidence. Donc toutes les conditions objectives sont toujours présentes. Maintenant, que sera le mouvement ? Quelle sera sa force ? Les élections sont une parenthèse finalement là-dedans, parce que les élections ne donneront sans doute pas, et on est le rapport, j'ai dit, des dizaines de partis qui se présentent, beaucoup de confusion, peu de conscience politique, d'habitude politique, je veux dire, d'habitude du débat politique. Donc, beaucoup de confusion. Qu'est-ce qui va en sortir ? Ça dépendra effectivement de la capacité du peuple tunisien à continuer sa révolution, à l'achever d'une certaine manière. Et tout dépendra aussi à nous, qui sommes finalement dans nos pays, bien malgré nous, je dis pour nous en tout cas les révolutionnaires, complices des gens qui ont monté la dictature. Je veux dire, à nous aussi, ici aussi, à les soutenir,
en luttant nous-mêmes contre les plans d'austérité dont ils sont eux les victimes. Voilà un peu la situation que je voulais décrire 6 mois après le départ de Ben Ali.